Yo les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Oh, comme ça, vous voyez pas. Du coup, je vous ai pris. On va ouvrir Milka. Franchement, Milka, c'est stylé, je trouve. J'ai jamais trop goûté du Milka, en vrai. J'ai pris Nestlé l'atelier, les amis. Franchement, c'est pas mal. En fait, le packaging, je l'ai trouvé stylé. Du coup, je l'ai pris. J'ai trouvé Harry Potter. C'est pas mal. Du coup, il y a aussi le calendrier saucisson. On va checker ça. Je sais pas ce que ça donne. Voilà. Et là, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, il faut pas en abuser. Mais c'est un calendrier de l'avant, bière. Voilà. Je sais pas ce que ça donne non plus. Voilà. Ne buvez pas, bien évidemment. Ou buvez avec modération. Ce n'est pas bon pour la santé, les amis. Je rigole, c'est bon, je rigole. Désolé si je suis en contre-jour des fois sur la vidéo. Ah, regardez. Milka, les amis. Alors, on m'a dit du bien. Du coup, on va ouvrir. Par contre, j'ai l'impression que Milka, niveau police d'écriture, faites tout petit la prochaine fois. Regardez comment c'est tout petit. Je sais pas si vous voyez du coup. Enfin bref, c'est tout petit. C'est bon, du coup j'ai trouvé le 1. Il se trouve juste ici là, quelque part là, voilà. Alors ça va être du chocolat, hein, voilà. Donc on va l'ouvrir. Putain, c'est quand même satisfaisant d'ouvrir ça. Attendez, je vais vous poser en cam. Je vais vous mettre en cam, les amis, attendez. Alors, le 1, il se trouve ici. Putain, j'ai galère à l'ouvrir. C'est un coffre-fort ou... Bon, on l'a. Regardez-moi ça. On dirait pas les... Je vous promets... Mais regardez ces chats. Regardez ces chats, je vous m'en mis. Je vous mito même pas quand je vous dis qu'ils sont gueulards. À chaque fois que j'ouvre un truc, ils sont là en mode, c'est quoi? Bon. Venez, je vous pose, en fait. Hop. Je vais vous poser, attendez. Voilà. Ouais, je suis assis sur le sol, j'ai la flemme. Du coup, les amis, voyons voir ce que... Par contre, c'est petit, non? Déjà, ça incruste. Descends, allez. Déjà, tu mets... Déjà, mes chats, d'où vous montez sur une table basse, ici, vous êtes prêts à la foire? Bon. Alors, premier degré, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est ça. Du coup, goûtons ça. En vrai, ça ressemble à ça. C'est nul. Descends. Regardez, ça ressemble à ça. C'est pas ouf, on va pas se mytho. Mon appareil photo avait plus de batterie, du coup, on reprend là. Le chocolat était pas ouf, c'était du chocolat au lait, donc c'était le moins bien du paquet apparemment. Et là, on passe au calendrier de l'avant, Harry Potter. Du coup, les amis, de Harry Potter, en vrai, il a l'air bon. En vrai, il a l'air bon. Voilà, en fait, la vidéo, elle a coupé. Mon appareil photo avait plus de batterie. RIP. Du coup, là, je l'ai mis sur secteur. Normalement, ça devrait le faire. Du coup, Harry Potter, en vrai, bah, c'est une partie de banane, je pense. Bah, c'est un chocolat au lait, en fait. Hein. J'ai juste pas de chance sur les ouvertures, je pense. Du coup, nous, on passe au calendrier de l'avant saucisson. Voilà, je vais chercher ça, j'arrive. Pour le calendrier de l'avant saucisson, en fait, au début, j'avais pas vu, je croyais que c'était un livre au début, parce que ça s'est présenté comme ça, et du coup, bah, réellement, j'ai cru que c'était un livre, j'étais un peu bête, hein, sur le coup. Bon, après, j'ai vite compris que non. Du coup, franchement, il est incroyable. Je trouve qu'il est incroyable, ça se présente comme ça, c'est en mode livre, en fait, c'est trop stylé. Du coup, le premier, il se trouve tout en bas, c'est une petite case. J'ai l'impression, pour le premier, ils ont pas fait d'effort, en fait. Du coup, on l'ouvre, ok, ça s'ouvre easy. Du coup, c'est ici que ça s'ouvre et là dedans, bah t'as un saucisson. Ok, c'est même pas sur emballage. Oh, mais ça c'est quoi? Est-ce que ça dit? Regardez, c'est un saucisson trop bizarre. Attendez. Focus avec le petit chat, bien évidemment. Mais c'est un malade, mon chat, il veut manger mon saucisson, c'est malade, mon chat. Regardez, c'est avec des points. Alors, je sais pas trop, ça va donner quoi? Et moi, je croyais que c'était sur emballage en vrai. Mais en fait, ils ont foutu ça dedans. Mmh. Ouais, ok. Ok. C'est incroyable. Il n'est pas marqué, non? Mmh. Je sais pas. Je sais pas trop, mais... Non, il n'est pas marqué. Je croyais que le saucisson, en gros, il était dans un emballage. Mais non, en fait. Bon, bah, du coup, il est incroyable.
je conseille. Franchement, c'est incroyable. Il est incroyable. Ok, on va passer au Nestlé, les amis. Alors, les calendriers Nestlé, j'en ai jamais pris. Bah parce qu'en fait, je faisais pas trop attention à Nestlé, franchement. C'est l'un des calendriers que je faisais pas vraiment attention. Mais là, ils ont soigné le packaging et tout. Franchement, ils ont géré. Pour l'instant, niveau packaging, c'est le meilleur. On va pas se mentir. Attendez, parce que moi, mes chats, ils sont un peu curieux. Regardez mes chats. Brrr. Ok, on est bon. Oula, par contre, ça se fait la balle. Ok. Donc ça ressemble comme ça. C'est comme ça. En fait, elle s'appelle Nuggets. Et elle, c'est la plus morphale. Elle s'appelle Merveille. Et elle, c'est un peu la rejetée de sa portée. Du coup, on l'a recueillie. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça donne ceci? Franchement, incroyable ou pas l'ouverture? Attendez. Il n'est pas marqué. Ça, c'est un peu chiant, je trouve. Qui n'est pas marqué, c'est quoi, genre, qu'il y a à l'intérieur? Hop là, déjà eux ils sont pas radins, hein. T'es mal chocolat frère. Incroyable, en plus il y a une sorte de praliné au-dessus. Je fais ça pour que mes chats partent. Oh. T'es mal, il y a du caramel à fond dedans. J'ai pas pris, hein. En vrai, de vrai, pas mauvais tout ça. Poula, je vous ai posé parce que vas-y, flemme, le cadrage et tout, c'était un peu mal fait. Du coup, pour la deuxième vidéo, bien évidemment, le cadrage sera parfait. Là, j'ai un peu merdé niveau cadrage. En plus, mon appareil photo, je sais pas, il s'est arrêté deux fois. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a plus de batterie, en fait, j'ai pas prévu le coup. Du coup, là, on va goûter le calendrier bière. Je vous le rappelle, il est marqué ici. L'alcool d'alcool est dangereuse pour la santé. Je suis obligé de le dire pour YouTube, du coup. Du coup, je vous ai pas fait l'ouverture, tout simplement, j'ai cut. Voilà, on a ça comme bière, je connais pas du tout. Ça s'appelle Tripic. Bière blonde non filtrée. Comment ça non filtrée? C'est-à-dire qu'il y a des impuretés dedans. Hein? Réellement, il y a des impuretés dedans, les gars. Attendez, je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Attendez, je vais prendre un téléphone. Mais quoi? Attends, mais je dois la boire comme ça, du coup? Non, je la bois pas comme ça. T'es mal à bière. Vous voyez, il y a des trucs dedans. Je sais pas comment dire. Enfin, vous voyez, c'est sûr que vous voyez. Du coup, c'est une bière non filtrée. Mais attendez, comment ça? Oh, haute fermentation. Ok. On va l'ouvrir. Attends, mais elle est non filtrée. Ça veut dire que ça existe des bières non filtrées. Genre, je savais même pas que ça existait, ça. J'ai un ami, il m'a appris. Tu prends un briquet. Bah, moi, je bois pas d'alcool, du coup. Excusez-moi, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? C'est une bière. Impossible à ouvrir, quoi. Ah, c'est bon. Hop là, c'est ouvert. J'ai peur de goûter parce qu'il y a des impuretés. Attends, mais je sais pas si c'est normal. Ouais, si c'est normal. Ah, c'est spécial. C'est pas une bière comme je bois d'habitude. Après, elle est bonne, hein. C'est une bière, c'est une bière, les amis. Non, en vrai, elle est bonne. Et elle mousse beaucoup, par contre. Ouais. Bon. Putain, je dois boire une bière par jour, ça veut dire. Oh. Je vais pré-shot des vidéos, les amis, hein, je pense. Pré-shot des vidéos, dans le terme, c'est... je vais faire plusieurs vidéos en un jour, comme ça. Je serai pas bourré au taf, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, on peut pas être bourré avec une bière. Hein. Peut-être des personnes, mais du coup, mon préféré, les amis, c'est celui-là. Voilà, pour l'instant, c'est celui-là. Ensuite, franchement, le Nestlé, il est incroyable. Ensuite, la bière, elle est incroyable aussi. Franchement, elle est très très bonne. J'étais assez surpris, monsieur. Comme c'est une bière, et je connaissais pas, une bière non filtrée. Donc, dedans, il y a des impuretés de bière. Je sais pas comment ça se dit, mais du coup, ça fait bizarre de boire parce qu'on dirait qu'en gros. Dedans, il y a... Je sais pas, il y a des trucs et c'est trop bizarre. Mais en vrai, ouais, du coup, première saucisson, deuxième Nestlé, ouais, c'est ça. Et troisième, la bière, quatrième, Milka et malheureusement, cinquième, Harry Potter. Malheureusement, Harry Potter, franchement, ils ont mis un bon packaging, mais les chocolats, j'ai l'impression qu'ils sont bas de gamme.
Donc franchement c'est un peu dommage, parce que la licence Harry Potter est incroyable d'habitude. Là ça me déçoit un peu, voilà. Donc ouais, du coup, pour la prochaine fois, je vais vous prendre comme ça, ok, pour la prochaine fois, pour demain par exemple, je vais vous prendre comme ça en vidéo, on va ouvrir, on va prendre tout, on va aller sur la table basse, là où je suis dans mon canapé, et on va déguster ici quoi. Et comme ça je pourrais vous poser comme je le fais là. Du coup voilà, c'était tout pour moi.